Attends, nous on était là, on vend des pizzas, tranquille, tu nous agresses. Oh, ça va, ça va. Eh, hey, t'as buté le garde du corps. Salut, salut, ça va bien? Et je suis avec BBTV aujourd'hui. Salut White. Hey, salut tout le monde. Hey, salut Jack. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas l'écran. Ça va bien les gars? Je sais pas comment sortir ma carte de ce bazar. Attends. Ok, d'accord. On va y arriver, vous en faites pas. Il y a un taxi là qui insiste. On le prend à 3. Vas-y les gars, je vous paye la course, c'est bon, je suis. Bonsoir. Bonjour monsieur. On est 3, c'est possible? On pourrait aller quelque part si vous voulez. On voudrait se rendre vers les HLM. Allez, montez. C'est pour 3. C'est 100 par contre. Vas-y, monte. Ok, vers les HLM s'il vous plaît. Ouais, attendez, on attend une troisième personne. Deux personnes là par contre. Arrive, on attend une troisième, il arrive, il arrive. Il a redonné ma carte ce con. Ah merde, il y a l'autre qui a piqué ta place. Salut Joe. Salut. Au fait, t'es qui? Moi, je suis Jean Moret. Ah, alors, salut Jean Moret. T'as pris la place de notre pote, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète, t'es notre pote Jean Moret maintenant. Eh, dis donc, monsieur le taxi, vous allez peut-être nous faire une petite ristourne parce que 100 balles, ça fait cher la course. Hein. Allez-y, on aurait été plus vite à pied presque. Hein. Bon, bah vas-y, allez, je paye pour tout le monde. Bah oui. Allez. Non, allez, c'est bon, j'ai payé. T'es généreux là. T'as payé? Je vous redonne un petit billet, monsieur Jean Moret, c'était une belle course. Non, faut le dire, c'était une belle course quand même. Une bonne soirée. Au revoir, monsieur. C'était pas un faux billet que t'as donné. Je suis sûr que tu l'as arnaqué. C'est pas grave, il y avait que du feu, on s'en fout. J'ai de quoi projeter les mecs. Ah ouais, yes. Vas-y, vas-y. C'est bon ça. On va se faire la bagnole. Vas-y, on se fait la bagnole. Vas-y, vas-y, je te couvre. T'as pas besoin de crochet, c'est bon, elle est ouverte, les gars. Par contre, il y a plus d'essence. Va falloir pousser. Va falloir pousser, les gars. Ça va faire démarrer là. Ah bah bien sûr. Bah ça, c'est la pièce maîtresse, j'ai envie de dire. C'est une manivelle quoi. Je te laisse réparer la voiture. A plus, Joe. Ouais, salut. On va aller chercher Jack, viens, White. Ce que j'adore, c'est l'écoute de téléphone. Je vais au concessionnaire. Ah ouais, l'écoute de téléphone. Attends, j'ai envie d'en faire un. On les appelle, on y dit c'est la valise RTL. Non, ou bien, je sais pas. Attends, je vais essayer de faire une blague à Enzo Bombe. Oui, allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Léo, s'il vous plaît? Il s'appelle Par, de son nom de famille, je pense. Léopard. Il n'est pas là? Attends, je vais l'appeler. Il dit, mais ici, y a pas de léopard. Allô? Ouais. Oui, bonjour. Ouais. Est-ce que je pourrais parler à Sarah, s'il vous plaît? Ça accroche. On va se prendre un petit métier, les gars. Bah, aujourd'hui, on va se mettre cuisinier. On va reprendre le Taco Bell, on va se faire un petit restaurant, bien, avec mes collègues. J'espère que vous savez faire la cuisine, les gars. Ouais. Ah ouais. Où est-ce que je suis, là? C'est tout à fait normal. Normalement, tu dois être dans le Taco Bell. Ah! Ah! Salut, Michael! On est ouvert ou on est fermé? Salut, Sam. Là, on est à moitié ouvert, à moitié fermé, là. Oh, j'imagine bien le monde assis aux tables et tout, là. Sam, une 4 fromages pour la 2. Ouais, ça peut être bien drôle. Une 4 fromages pour la 2. Attends, déjà, on va ouvrir le restaurant. Et surtout, par exemple, tu vois la pizza au fromage, elle est à 50. Mais ouais, tu l'as fait à 100 ou 150, tu vois. Voire 200 en temps de crise. Hein. Si le gars il a bien faim, il est pressé, tu dis 300. Voilà. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon, il va la prendre. Alors le Taco Bell, c'est où? C'est en haut de la banque, Jack. Ah d'accord, je vois, ouais. Le grand restaurant. Le grand ristorante. Comment dirais. Ah la violette. Ah la violette. Alors attends, déjà on va mettre une petite télé ici. Parce que quand même, faut suivre les actualités. Y'a pas de télé? On va pas pouvoir suivre l'actualité. Ah. Bonjour monsieur. Ah, vous êtes à l'heure, très bien. Et en plus, t'as la matraque et tout. Bonjour. Bon les gars, on va aller racoler le client un peu là. Comment t'as mis qu'on était fermé? Ben justement, je sais pas comment le faire. À chaque fois, moi je joue avec mon collègue. Et on sait pas mettre un panneau. Il sait tout faire lui. Ben ouais, si on sait le faire, mais pas moi. Attends. Tu vois ce que je veux dire? Les... Hey, y'a quelqu'un les gars. Salut. Où ça, y'a quelqu'un? Comment vous avez fait pour rentrer dans le restaurant? Bonjour. Dieu m'a téléporté ici. Bonjour, Dieu vous a téléporté ici. Oh, vous devez avoir la foi, vous. Moi, il y a dû y avoir un miracle qui s'est produit là. Bon, on va aller racoler un peu de clients là. Attends, il faut que je change mon pseudo alors. Ouais, j'ai changé de nom. Mais non, il faut que je parle comme ça. Salut. Salut. Sandrine Drin. Ouais, j'ai pas trouvé d'idée là. Drin quoi, tu vois. Bon, allez, on va aller racoler le client. Ah oui, ferme la porte. Attends, on va fermer la clé. Ah, comment on fait? Ah, t'as les clés normalement. Normalement, j'ai les clés, oui. Voilà. Attends. Ah, ça marche bien, dis donc. T'inquiète. Voilà, c'est bon, on se ferme la clé. Tiens, on va aller dans les HLM là-bas. Je vais faire de la pub déjà. Au Taco Bell, les pizzas sont peu chères. Allez, on va faire le tour un peu. Attends.
personne ici. Moi ouais, je sens que ça va être vide. Attends, c'est pas grave, venez, on achète un petit appartement vite fait. On va se mettre là tranquille, ça. Je vais l'acheter. Hop. Et on va acheter un... Oh putain. C'est quoi ça? On est chez quelqu'un là. Ouais, bah, apparemment il y a déjà quelqu'un en question est mort. En Morée. Attends, je vais regarder s'il y a pas autre chose dans les pièces. Bien, franchement, on est bien là. Je vais acheter un petit printer. Ah. Ah, voilà. Ça c'est bon ça. T'es sûr de ton coup, on n'était pas censé vendre des pizzas. Non mais ça c'est... Ça c'est en attendant. Je mets juste un petit printer là, c'est juste comme ça, au cas où hein. Eh, voilà, regarde, on peut... Y a un coup qui dit admin, on est bloqué au Taco Bell. Ah ouais putain, vas-y, j'arrive, on arrive. Venez, on va au Taco Bell les gars. Bah forcément attends. Qu'il est enfermé dans le Taco Bell, c'est moi qui a fermé la clé. Attends, je l'appelle. Aaron Coffee, attends, je suis en ligne avec lui là. Oh, allô. Y'a du monde, y'a du monde, y'a trop de monde les gars. Ouais, y'a trop de monde. Bloqué dans le Taco Bell. Y'a trop de monde. Moi je suis braqué. Ah, parce que le propriétaire arrive, hein, il est en route. Allez, bisous, bisous. Attends, il y a trop de monde ici. Attends, je vais demander si tu veux pas une pizza. Oh là. Putain, c'est quoi ça? Puis le GIGN. Ouais, parce que lui, il veut pas venir, bah viens toi. Ou le GIGN. Bonjour. Quelqu'un a faim ici? Bah, mec, on prend des. Ouais, on va prendre des pizzas. Viens, on va prendre plein de pizzas. Et je sens qu'on va se faire braquer, les gars. Agent de sécurité, reste avec nous. Reste avec nous, Joe. Bonjour. Bonjour. Si tu nous suis. Je suis avec ma collègue Sandrine. Sandrine, viens. Oui, mais il me faut le four pour faire la pizza, t'es marrante. Venez la cuisinière là. Et toi, casse-toi le gardien. Ouais, tu nous prends pour des cons. Non, non, il est avec nous le gardien, il est avec nous. C'est le garde du corps du Taco Bell. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme pizza? Bah, venez en fait, c'est pour une livraison. Joe, reste avec nous. Oh putain, ça pue. Il est ceinture noire de judo, troisième dame. Faites gaffe, il fait du kung-fu. Hein. Déconnez pas, on est avec ceinture noire de jus d'orange aussi. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Attendez, je regarde ça. Alors, il nous faut. Ouais, il a un gun. Pizza. Ouais, et le M16, c'est fait pour quoi là? C'est pour la chaleur. Tu bouges plus, je t'enlève tes armes. Attends, nous on était là, on vend des pizzas, tranquille, tu nous agresses. Oh, ça va, ça va. Eh, t'as buté le garde du corps. On est allé contre le mur. Pourquoi t'as buté notre garde du corps? Vas-y, on est contre le mur. Vas-y, mets-toi contre le mur, Sandrine. Pas très RP tout ça. Attends, surtout, on n'y donne pas d'argent. Chacun de vous deux, vous posez 1000 et vous pourrez sortir. Si vous posez pas 1000, ben voilà, on va être obligé de. 1000 quoi? Moi, je vais vous donner tout ce que j'ai. Hein. Je vous donne tout ce que j'ai. Donnez-moi tout ce que vous avez. Vas-y, je vais filer un dollar. On partagera. Ah bah, attends, il partage, je vais filer 2 dollars. Par contre, vous partagez, les gars. Allez dans la putain d'arrière-salle. Allez derrière. Tu as donné 10 dollars. Ouais, ça va, ça va, ça va, on y va, c'est bon, ça va. On y est dans l'arrière-salle. Vous allez chacun rentrer dans une cage et vous pourrez. Et je vous mets des baïonnes, je vous baïonne tous les deux. Attendez, pourquoi dans une cage? On n'est pas des animaux. J'ai mon téléphone qui sonne. Réponds. Et de toute façon, il m'a pas dit qu'il m'enlevait mes moyens de communication. Allô? Non, merde. Il m'a pas dit qu'il m'enlevait mes moyens de communication, les gars, je m'en fous, j'appelle les flics. Dans les cages, ok. Ok, on va dans les cages, ça va, on va dans les cages. Ah, pète un coup, hein. De toute façon, il a pas dit qu'il m'enlevait mon portable. Non, non, il a pas dit que je vous enlève vos moyens de communication, machin. Il l'a dit au gardien, pas à moi. Voilà. Tu l'as enlevé, on m'appelle. Il a entendu ta sonnerie. Allô? Ouais, allô, Sam. Tu peux venir dans ton restaurant, s'il te plaît? On est enfermé. Ça ouais, et sympa. Je suis pris en otage. Tu peux venir à côté du restaurant, s'il te plaît? Bon, on est bloqué dedans. Moi, je suis pris en otage, moi. Il t'a vu. Et il a pas dit qu'il m'enlevait mon téléphone, donc je peux appeler. Appelle les flics. Hein. Ça marche. Je suis juste à côté du restaurant, là, dans une espèce de cabane à côté de la pompe essence. Préviens tous tes potes. Venez faire la misère, s'il vous plaît. Ok. Ils nous ont enfermé. On arrive. On va pas se laisser avoir comme ça. Moi, il m'a pas enlevé mon portable. Tes pizzas, tu peux te les foutre dans le cul. Attends. J'appelle le smoking. Il est du SWAT. Je vous ai enlevé vos putains de moyens de communication là-haut. Non, trop tard. Non, il m'a pas enlevé. Non. J'avais un deuxième téléphone. Faut pas dire, il était caché derrière mon oreille. Ça va, je peux me servir de ma bouche quand même. Mais viens. Attention, ils vont s'engueuler là. Mais viens. Il va s'engueuler. Mais je peux pas, je suis enfermé. Attends, je vais appeler Enzo Bond, c'est un terroriste. J'appelle Enzo Bond, les gars. Avec mon portable secret que j'ai planqué. On appelle Enzo Bond. Ignore qui m'appelle. Allo, Enzo Bond? Ouais, bonjour. C'est quoi ça, les gars? Ils s'engueulent. Les gars, y'a moyen qu'on sorte de là, là. Qu'est-ce que vous voulez? Fermez-la, vous allez sortir. Fermez-la. Merci. Ah, ok, pas de problème. Le négociateur est là. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. On est renfermés, aidez-nous. Enlève ton propre.
J'y ai pas, je vais mourir. Monsieur Lenny. Enlève ton propre. Ils sont en train de se battre, y'a plus personne dans la cage. C'est quoi ce bordel? Bonjour. Oui. Juste Sandrine. Juste Sandrine. Et moi alors? Alors mesdames, je retire vos moyens de communication, vos armes, tout ce qui pourrait être utile à vous défendre. Les pizzas aussi? Les pizzas aussi, vous allez crever de faim. Eh hey, mais la cage elle est toute petite, tu comprends pas quoi? C'est quoi cette cage? C'est pas vivable. C'est pas vivable ici. Oh yes, y'en a un qui est mort. Ouais, on se casse. C'est dégueulasse là. On se tire. À la Maître Gims. Non, il a mis un capade, c'est pas possible. Oh merde. Il a mis un capade. Maître Gims. Tu fais quoi toi? Vas-y, stop. Vas-y. Allez, vas-y. Moi ça m'aurait pas plu, moi. Tape-le. Ça m'aurait pas plu, mon vieux. Il a dit un truc sur ta mère. Et l'autre aussi. L'autre aussi. Ouais, j'avoue, ouais. L'autre il est avec moi, bâtard. Qu'est-ce qu'il a dit là? Hein? Non. C'est quoi ce délire? Oh fuck. Accroupi là. Attaché. On veut les petits bruitages là. Les bruitages comme tout à l'heure dans l'herbe là. Tu te rappelles pas là? La vie. Le tchétché. La vie. Mais d'abord, tchétché. Ah, je la connais. Est-ce qu'on peut partir? Et lui, c'est un gros rageux de merde, hein, sérieux. Coupe-le, vieux. Il s'y croit à fond, lui. Hein. C'est un taré, ce gars. Allez, on va promener. Bande de cons qui nous traitent et tout, là. On va aller dans la cuisine, mais si tu veux. Vas-y, nique-les. Nique-les, Jack. Non. Putain, Jack, t'as foiré. Ah ouais, on a des fans. T'as foiré, Jack. Attends, tu sais quoi, moi je me libère et je me casse en courant. Ouais, moi aussi, vas-y. Merde, il va me renfermer, aide-moi. Je suis pas libéré. Moi aussi, il va me renfermer. Non, je me casse. Ah, je me casse, vas-y, viens. Vas-y, on se tire. On pourrira en enfer. Non, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. T'es où? T'es dans le Taco Bell, aide-moi. Ouais. Vas-y, aide-moi. T'es où? Je suis là. Eh hey, hey, on est dans nos cuisines, ferme la clé. Eh hey, j'ai appelé les flics là. J'ai appelé les flics, vous êtes dans notre cuisine là. Dégage de l'autre. On était en pleine prise d'otage, juste que tu t'es barré, bah attends, t'es l'autre otage, attends j'appelle les flics. Non, je vais appeler les flics là. Arrêtez-vous monsieur, simple contrôle de routine. Ouais, s'il vous plaît, on est pris en otage. On est pris en otage, aidez-nous. C'est une prise d'otage. Aidez-nous, on est pris en otage. Aidez-nous. Dans une autre pièce avec des collègues. Donc écoutez-moi, vous voulez de l'argent ou je les bute. Vas-y, attends, viens, ouais. On se baisse et on se barre tranquillement comme ça. Alors, on les laisse. Comme les cuisiniers, ils doivent être bas de prix. C'est pas vrai. Non, ça va, ça va. C'est bon, ça va. Oui. Ça va. Donc vous voulez combien, monsieur, pour les cuisinières? 5000. 5000. Eh, dis donc, faut beaucoup plus cher que ça, Goujeuve. Eh, je vaux au moins 15 000 à moi tout seul. Tais-toi. 2000 et en plus il me négocie le Gouja, hein. 1500. J'ai que 1500, mais hein, c'est sûr, moi je suis... 10 balles pendant que tu y es, je vaux pas plus. Tu devrais limite les redonner gratuitement. T'as vu ta tronche ou quoi? Eh, tu vaux pas 2 pesos avec ta tronche. Eh, grognasse là. De prendre en otage une fille. Exactement, en plus ils nous ont maltraité. Allez, dégage, dégage, t'as de la chance que je peux pas te friter, toi, dégage. Dégage de mon restaurant. Allez, dégage de mon restaurant, t'as de la chance que je peux pas te friter là, dégage de là. Regardez, il revient là. Le petit là, il est avec lui, hein. Non, y'a pas de pizza pour toi, tu nous as pris en otage. Mais n'importe quoi, t'as dû rêver. On n'est pas mort, on n'a rien oublié, t'inquiète pas. Moi je suis pas mort, moi. Circuler de mon restaurant. Allez, dehors. Ah, ça te fait les pattes, t'as pas eu ta pizza. Ah, ça te fait les pattes, ça. Eh, garde du corps, garde du corps. Vas-y, chope-le, garde du corps. Vas-y, tabasse-le. Alors, ça te fait les pattes, ça, hein. Vas-y, Jean Bombeur. Monte-y, comment qu'on fait un bon club sandwich. Ouais, c'est ça, cours. Et qu'on te revoit pas par là, là. Allez, dégage. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous passer 1000 chacun. Plus des excuses. Un petit bisou. Sur la fesse gauche. Un bisou sur la fesse gauche. Allez, sur la fesse gauche, un bisou. J'attends. Allez, et je veux entendre le... Allez, un petit bisou. T'es timide, toi, hein. Sandrine, appelle la police. Appelle la police, Sandrine. D'accord. Merde. Il est parti. Il m'a buté. Je veux une pizza. Vous me faites peur avec votre AK-47 dans le dos. Une pizza avec une AK-47 dans le dos. Ça, tu veux goûter, ça? Déjà, t'es pas censé savoir.
Garde du corps ici. J'ai des yeux. Si je suis pas censé savoir, tu peux l'arranger un peu mieux que ça, s'il te plaît. Oh là là, il a été téléporté. Ouais, il est en train de pleurer parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il a une mitraillette dans le dos. Parce que. Je sais. En par terre. Ouais, bah ouais, je crois bien que tu t'es trompé, ouais. Bon, les gars, je crois que Cuisto, ça nous réussit pas.